Qu'est-ce qu'il lui a pris? Chut, écoutez! Au secours! Hein? Oh. Vous avez entendu? Des cris! Voilà ce qui a effrayé le Jirawa! Ça a l'air de venir de par là! Au secours! Aidez-moi quelqu'un! S'il vous plaît! Oh, enfin! Hé, hey, l'ami! Ne vous inquiétez pas! Nous allons vous sortir de là! Merci, merci! Je m'appelle Vandamme et mon prénom c'est Place. Je suis bijoutier. Enchanté, Place Vandamme. Comment t'es-tu retrouvé là? Un client m'a donné rendez-vous ici pour la livraison de sa commande. Il avait l'air louche et je n'étais pas très rassurée. Il avait insisté pour me voir en dehors de la ville et de nuit. Parfait, parfait. Hélas, tu m'envoies désolé, mais il ne doit rester aucun témoin de cette transaction. Oh, attendez, mais qu'est-ce que vous... Non, non, pitié, j'ai fait ce que vous vouliez. Oh. Ah 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 Je serais tombée au fond du ravin si mes vêtements ne s'étaient pas accrochés et si vous n'étiez pas passée par ici. Quelle lâcheté! Je mettrais bien la main sur cet encapuchonné, histoire de lui apprendre la vie. Puisque tu n'as pas vu son visage, pourquoi a-t-il voulu te faire disparaître? Il m'a chargé de faire la copie parfaite d'une broche portant une pierre sombre, mais ce n'est pas n'importe quelle broche. Quelle descente! J'ai fait une copie du cadeau du royaume de Larbos pour l'anniversaire de Cache-Cache. Cache-Cache comme le roi des elfes? L'anniversaire de notre roi a lieu demain. Il y a toujours une grande fête avec un festin, un bal et bien sûr, le plus important, la cérémonie des Kadals. La cérémonie des Kakwa? Des Kadals. C'est comme ça que les elfes appellent le moment où le roi ouvre ses cadeaux en public. Vous voulez mon avis, les amis? Le cadeau offert par le roi Larbosa au roi Cache-Cache va être remplacé par cette copie. La vie du roi Cache-Cache est probablement menacée. Il faut le prévenir. Alors, en avant, légendaire! La borne elfique n'est plus très loin. Dis, tu crois qu'il y a moyen de s'incruster au bal? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dansé. Et au festin aussi? Oh, j'ai toujours rêvé de goûter la cuisine elfique. Ma mère est capitaine dans l'armée navale elfique. Elle sera près du roi lors de la cérémonie. Sa vie aussi est menacée. Nous y voilà. Les amis, direction Astria. Et tu t'imagines que je vais croire cette histoire de fausse broche? Général Shepak, je vous en prie, faites au moins examiner ce bijou. Je vous assure, Chimie dit vrai. La vie du roi est en danger. Partez! Les humains et les traîtres sont interdits dans le palais. Garde! L'accès au palais est interdit aux légendaires. Autorisation de les arrêter si besoin. Shepak ne changera pas d'avis. J'ai entendu parler de lui. C'est un elfe exalté, obnubilé par l'honneur de notre peuple. Il ne m'a visiblement jamais pardonné d'avoir pactisé avec les humains. Alors Shepak ne nous laisse pas le choix. Chimie, où sont stockés les cadeaux avant la cérémonie des Kadals? Dans la salle du trésor du palais, je suppose. Vas-y, fais-moi un plan du palais et indique-moi où est la salle du trésor. Oula, tu sais, je suis venue qu'une ou deux fois il y a longtemps et... C'est pas grave, on oublie l'infiltration. On fonce dans le tas et on lui refait le portrait au général je sais pas quoi. D'accord, c'est bon. Je vais faire un plan du palais. Bien, nous entrerons dans le palais par ce balcon à l'étage. D'après Chimie, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une protection magique aux fenêtres. Jadina s'en occupera. Mais j'y connais rien, moi, la magie elfique. Vous n'avez pas un peu le même genre de barrière de protection à Orchidia? Tu n'imagines tout de même pas que les elfes et Orchidia partagent les mêmes gestuels magiques, non? Genre, je fais ça et ça. Et ben voilà, c'était pas sorcier.
Une fois dans le palais, on suivra le couloir de service qui longe la salle de réception, déguisé en serviteur. Personne ne nous remarquera. Mais qu'est-ce que c'est que ces fringues? Il n'y aura jamais assez de tissu pour couvrir tous mes poils. Et moi, jamais je rentrerai là-dedans. Le costume officiel, que voulez-vous que je vous dise? Danaël, c'est quoi ton plan B? Ils ont l'air de bien s'amuser. Chut. Hein? Rien à signaler, soldat? Maman? Rien à signaler, mon capitaine. Hé, hey, là! Oh. Vous! Oh, vous avez perdu ça en route. Mille merci, capitaine. Ne t'inquiète pas, Chini. S'il y a un complot contre le roi, on l'empêchera. C'est pas pour le roi que je m'inquiète. Ma mère n'hésitera pas à donner sa vie pour lui. Dis, Chimi, j'ai goûté un drôle de plat. Je suis tombée sur une sorte de tourte fourrée à la fougère. Et tu as aimé? Ça manquait vraiment de beurre de Jirawa. Nous devrons ensuite traverser l'allée des Griffonlieu. Attention, cette allée est peut-être piégée. Seuls les membres du conseil elfique sont censés pouvoir la traverser. Surtout, regardez où vous mettez les pieds. Jusqu'ici, tout va bien. Des rayons paralysants! Surtout, ne franchissez pas cette zone! Danaël? Apparemment, seule la première statue commande le rayon paralysant. Les autres ne font que le relayer. Il faudrait empêcher ce Griffonlieu de transmettre son rayon aux autres. Il est tout au fond de la salle. Le temps de l'atteindre, nous serions statufiés. T'inquiète, je gère. Griff, non! Allez hop, rideau, coucou Spagné. Ça y est, vous pouvez venir. Et n'oubliez pas notre œuvre d'art. Ça va mieux, Danaël? Encore un peu raide, mais oui, ça va. Et maintenant, quelle est la suite de ton plan? Maintenant, direction les appartements du roi. Attention, c'est pas une auberge. Il va falloir jouer serré et éviter d'alerter l'élite de la garde royale. L'élite est en train de ronfler à son poste. On peut y aller tranquille. Je suis bluffé par la qualité de la sécurité du palais royal. Grande classe. On fait comment pour le garde? Eh bien, soldat, c'est comme ça que tu montes la garde? Capitaine Shamira, Tu es indigne de protéger le roi. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et sois heureux de ne pas être traduit devant la cour martiale. Oui, capitaine. Merci, capitaine. Bien joué, Chimi. T'es flippante comme ça, Chimi, tu sais. Ma mère fait cet effet-là aux gens, oui. Non, elle parlait de la plante sur la tête. Hein? Capitaine? Comment? Eh bien, on dirait que tu as vu un fantôme. Comment? Comment vous avez fait pour revenir si vite des appartements du roi? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, vous étiez là-bas il y a 5 minutes, non? Griff, avec ta super Wii de Jaguarian, tu te chargeras de craquer la combinaison de la salle du trésor. Razia, s'il te plaît, arrête de mâcher. J'entends rien. Et voilà. Sésame, ouvre-toi. Une salle de bain? C'est pas la salle du trésor? Chimi, c'est quoi ce plan moisi? Je vous l'ai dit. Je ne suis venue qu'une fois. Et depuis, Cache-Cache a fait déplacer la salle du trésor dans l'aile nord du palais.
Maman? Quelle explication as-tu pour justifier cette scandaleuse intrusion? On a refusé de nous laisser entrer, alors... Alors, comme d'habitude, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as vraiment un problème avec l'autorité, Chimie. Quand l'autorité est stupide, oui. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'un complot contre le roi, ou pire, un attentat est en cours. Cela ne t'autorise pas à usurper mon identité. Il fallait respecter la hiérarchie et prévenir le général Shepak. Mais on l'a prévenu, votre général. Il nous a envoyés sur les roses et il a traité Chimie comme une moins que rien. Vous avez raison, capitaine. Nous avons été maladroits. Comprenez que Chimie s'inquiétait pour le roi Kashkash et pour vous. Nous avons décidé d'agir dans l'urgence. Le roi a-t-il reçu un cadeau de la part du royaume de Larbos? Une broche avec une grosse pierre noire? En effet, la broche a été placée ce matin même dans la salle du trésor avec les autres cadeaux. Dans l'aile nord du palais, c'est ça? La broche est en fait un faux. Une copie du vrai cadeau de Larbosa, réalisé par un artisan qui a failli y laisser sa vie. Si cette broche est piégée, on va penser que ce sont les humains qui sont les coupables. Cela risque de détruire l'alliance entre elfes et humains. Viens, je vais te montrer la preuve irréfutable du complot contre le roi. Regarde dans la baignoire. Et alors? Qu'est-ce que... Chimie! On perdait trop de temps à la convaincre. Chimie, arrête ça tout de suite! C'est un ordre! Il faut inspecter la vraie salle du trésor avant qu'il ne soit trop tard. Ok! Par où c'est l'aile nord? Laisse-moi réfléchir deux secondes. Ah! Mon beau plan millimétré fichu en l'air! Chimie, ouvre tout de suite ou ça va vraiment mal finir pour toi! Eh bien, ça ne va pas arranger leur relation mère-fille. Ah, faites-moi signe quand on repartira. Ça alors? Vous croyez que ça conduit où? Si je lis bien, le tunnel conduit à l'aile nord. Super! Et ici au moins, on ne risque pas d'être intercepté par la garde royale. Ouais, et puis ça nous change des autres couloirs. Quitte à ne voir que les coulisses du palais, autant tout visiter. Bien sûr, tout se déroule exactement selon mon plan. Ces trucs doivent être les cadeaux destinés au roi. Souvenez-vous, la broche que nous cherchons est sertie d'une pierre noire. Ouais, autant chercher un quichu dans le désert de Muliba. Eh ben, il y a des cadeaux originaux, hein. Et vraiment... Moche. Vite, par ici. Oh. Je crois que je l'ai trouvé. Ainsi, les fameux légendaires sont des voleurs. Ça ne m'étonne pas. Non, attendez. L'écran était vide avant que je ne l'ouvre. Vous raconterez vos salades en prison. C'est le fouet décrit par Vandamme. C'est Shepak, le comploteur. Chimie! On ne bouge pas ou ma lame va fusionner avec notre elfe élémentaire. Un cadeau de la part du royaume de Larbos. Quelle délicate attention. Ah, l'automate d'attaque a été activé. La broche a donc été remise à Kashkash. Je vois! La broche indique à ce truc la cible à abattre! Je vois qu'il y en a qui réfléchissent, mais c'est un peu tard! Ne vous occupez pas de moi! Il faut empêcher l'automate d'approcher le roi! Tu ne passeras pas, tas de ferraille! Très ressemblant. Je croyais que l'automate s'en prenait à celui qui porte la broche. On l'empêche de passer, alors c'est pour notre pomme. Espèce de traître, ça va vous coûter cher. Tu oses parler de trahison? Toi qui as déshonoré ton rang en pactisant avec les humains.
tu ne mérites pas ton titre d'elfe élémentaire. Tu es impur et indigne d'appartenir à la race elfique, comme notre roi, lui aussi un faible, qui s'allie avec les inférieurs, les humains. Kashkash est indigne du trône. Il nous faut un nouveau roi pour nous rendre notre superbe à nous, les elfes, le peuple supérieur. Vous êtes complètement fou, Shepak. Et toi, tu es fini. Ouvre tes sales mains, ma fille, Shepak. Maman, Shepak veut tuer le roi. Il ne faut surtout pas qu'il garde la broche chez nous. Maman. Quoi? Le combat est fini, Shepak. Rends-toi. Tu ne mourras pas si facilement. Reviens là, prête. Je t'aurai. Non. Tu ne peux plus t'en sortir. Tu n'as pas le choix. Tu ne fais pas le poids. C'est fini! Rends-toi! Quoi? Tu disais, Shamira? Oh, capitaine! Quel dommage! Le peuple elfique va perdre son roi et une valeureuse capitaine le même jour! Dans tes rêves, félon! Adieu, Shamira! Bon sang! Il est coriace, cet engin! Il faut se coordonner ou on l'aura jamais! Griff, attire son attention! Hein? On va jamais s'en sortir. Je me demande comment on réagira à l'Arbosa en apprenant que tu as été éliminé par des humains. Maman. Entre ça et la disparition de Kashkash, la guerre est inévitable. Je te croyais plus forte que ça. Mais je vois que tu as toi aussi l'esprit pollué par le même lien affectif que ta fille. Adieu, Shamira. Jimmy, il a un second fouet. Élémentaire. Attaque élémentaire. Maman, je... Allons aider tes compagnons. C'est de la camelote, cette pierre. Oh. Magnifique. Merci, merci. Mais, Général Shepak, que signifie cette plaisanterie? Il s'agit du cadeau des légendaires, Altesse. Je vais vous expliquer. Pourquoi n'es-tu pas resté pour la cérémonie des cadals? C'est à cause de ta mère? Ta mère exagère. T'as largement prouvé que tu n'avais pas usurpé ton sang. Tu as battu Shepak à plate couture. C'est vrai, elle devrait être fière de toi. Tu as sauvé le roi et le conseil en vraie gardienne du monde elfique. Non, non. Ma mère voulait que je reste. C'est moi qui n'ai pas voulu. Pourtant, tu l'as mérité, ta place, aux côtés de ton souverain. Je n'ai pas fait ça pour prouver quoi que ce soit à mon peuple ou à ma mère.
Je l'ai fait parce que c'est ce que nous faisons ensemble, chaque jour. Servir la paix et la justice. Mais pas seulement celle des elfes, celle de tous. C'est à ça que servent mes pouvoirs. Et le reste, les festins, les bals, les cérémonies, ce n'est qu'apparat et futilité. Oui, mais danser, c'est pas vraiment futile. D'ailleurs... Moi, j'étais venue danser. Alors, on danse.